Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je continue l'aménagement du placard dans la chambre. Si vous avez raté la première partie avec la fabrication des tiroirs, je vous mets le lien là-haut et dans la description juste en dessous. Allez, c'est parti! Alors, pour ce deuxième aménagement, là, j'ai utilisé des coulisses encastrées. Cette fois-ci, c'est des coulisses en applique avec toute ouverture. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai vraiment l'ouverture totale de la coulisse. Le tiroir va se retrouver, bien sûr, il est ici, va se retrouver ici. Alors, tout simplement, comme la première fois, je prends ma prise de cotte. Là, tout simplement, il y aura l'épaisseur ici de la coulisse. Et on passe sur l'ordinateur. Alors, ici, pour la prise de cotte, je regarde, hop. J'ai juste besoin, il n'y aura qu'un seul tiroir. Donc ici, je suis toujours à 796. Là, j'aurai un deuxième système. Vous savez, comme un porte-manteau, je coulisse, j'aurai un cadre. Même si je fabrique un cadre qui viendra ici et ici, je peux simuler l'entourage comme si c'était un tiroir. Donc, je prends les mêmes cotes. 796, comme partout, et c'est bon. Allez, on se retrouve sur le PC. Bien, nous voilà sur le PC. Donc vous voyez ici, j'ai ouvert le fichier. On retrouve toujours calculer la hauteur des tiroirs, la hauteur des façades, les dimensions pour un tiroir. Vous allez voir avec un fond épais ou alors avec un fond mince, avec les coulisses insérées. Ici, c'est les coulisses en applique. Donc je ne vais pas vous réexpliquer tous les calculs, c'est juste de l'utilisation des feuilles car j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Vous retrouverez ici la vidéo qui vous explique comment obtenir tous ces calculs. Ici, moi, j'arrive, je passe tout de suite aux cases à remplir. Donc, ici, j'ai une largeur de 796. Je suis sur 500 de profond. La hauteur du tiroir, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera des tiroirs de 200. L'épaisseur du panneau, moi, je suis sur du 18 mm. Ici, l'épaisseur du rail, donc moi les rails font bien 12,5 et la profondeur d'usinage sera de 8. Souvent, j'essaye de laisser 10 mm sur la hauteur ici. Ce qui me donne, à la fin, tous mes calculs pour ma feuille de débit, ici, où je vais avoir le fond complet ici, 769 par 500. Bien sûr, ça correspondra à la façade 769 par 190 et sur les côtés de 480 par 190. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite à l'atelier pour l'ensemble de l'usinage.
Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Donc, comme vous pouvez voir avec les feuilles de calcul, bah ici, un tiroir avec les coulisses en applique, hein. Donc, vous avez vu toute la réalisation. Ici, j'ai fait une petite penderie qui est amovible. On viendra prendre le linge et ensuite venir le replacer. Je verrai pour la finition, hein, il me reste à déterminer les façades, les portes. Ça sera dans une prochaine vidéo parce que sur la nature du matériau, je ne suis pas encore défini. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.